Salut, c'est Antoine Rosner pour mon club préféré. Alors mon club préféré, c'est le Fer 2. Alors c'est un Fer 2 T200 de chez Titleist avec un shaft Dynamite Gold X100 et mon grip habituel Gold Pride. C'est un club utility comme on peut appeler. Je l'utilise beaucoup du départ et j'aime beaucoup parce que j'ai énormément de précision avec et sur des mises en jeu un peu difficiles. J'aime beaucoup sortir ce club du départ. Alors avec ce club, j'ai un carry d'environ 230 mètres. Au Trackman, ça me donne une vitesse de club d'à peu près 107-108 miles par heure. La ball speed, je suis pas sûr, mais en tout cas, j'ai ce carry de 230 qui est bien. Après, je peux arriver à la taper plus basse. Elle va peut-être pitcher aux alentours de 210, 215, mais rouler un petit peu plus. Donc, vent contre, ça peut m'être hyper utile. Il m'arrive aussi d'attaquer des par 52 avec. Et dans ce cas-là, quand je mets une balle un petit peu plus sur le pied gauche, je peux arriver à la monter un petit peu plus haute et à la stopper relativement plus facilement. C'est pas un club qui est fait pour ça, mais j'arrive occasionnellement à pouvoir sortir ce coup. Alors il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien changer de temps en temps pour un hybride ou un fer 2 en fonction du type de parcours. C'est vrai que moi je change très peu, que ça soit un British Open ou un US Open, le fer 2 c'est vraiment mon club préféré. Je le joue un peu dans tout type de conditions. Au British en tout cas c'est une arme fatale, on peut faire des balles basses qui roulent pendant des dizaines de mètres et ça c'est vraiment un atout hyper important. Maintenant même dans des conditions soft, je le garde parce que je suis tellement précis avec du départ que je peux pas m'en passer. Alors j'ai un très bon souvenir avec ce coup, c'était à la finale du DP World Tour à Dubaï, le dimanche. Faut savoir que au trou numéro 15, j'avais raté un drive, je m'étais un petit peu énervé, et en rangeant mon club, le shaft s'était cassé, donc j'avais plus de driver pour les trois derniers trous. Et au 18, normalement, je tape driver par-dessus, par la droite, mais là, je n'avais plus ce drive, donc j'ai tapé le fer 2 dans une petite zone à gauche, et fer 2 sur le green, deux putts, 4, et j'ai fini 11e de la finale à Dubaï, donc j'ai un bon souvenir avec ce club.